Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler programmation au sens large du terme, donc programmation générique, programmation perso. Vas-y, moi je vais faire l'intro. Bonjour à tous, début de podcast difficile pour moi, ça fait 10 minutes que j'essaie de faire l'intro, mais aujourd'hui, on va parler programmation, donc au sens large du terme, programmation générique, programmation spécifique. Le business de la programmation, quelles sont les limites de la programmation aussi. Donc voilà, j'ai préparé pas mal de questions pour les gars et on va essayer d'y répondre ensemble. Mais avant, je voulais vous demander ce que vous aviez pensé de la programmation des open, donc du 23.1 et du 23.2 pour rebondir un petit peu sur l'actualité et démarrer. Okay. 23.2, t'es content deux fois de suite, t'as de la gym quand même. Répondez d'abord. On rappelle ce que c'est ou pas? Bah, je pense que les gens savent. Alors, 23.1, moi j'ai trouvé que c'est pour 1.1, c'est pas mal du tout parce que c'est moins redondant que les habituels Wall Ball Thruster ou les autres qui sont plus d'endurance endurance de force, endurance fondamentale, sans variation. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plus de variation dans le Wall. Bon, tous les mouvements, c'était pas compliqué, hein, décliné à 60, des toast to bar ou autre, c'est pas non plus du niveau élite. Il y a que les ring muscle up qui faisaient une grosse différence. Et ça faisait longtemps, et je n'ai même pas le souvenir d'un 23.1, d'un 1.1. Où il y a autant autant de différentiel qui va se faire sur un mouvement un peu compliqué. C'était 1.4 quand il est sorti à l'époque où il y avait 5 open en 2014. Avec les muscle-up ? Ouais, c'est un peu. Les muscle-up en premier, c'est qui est un mouvement gym avancé pour la gym crossfit. C'est très rare. Ouais, ça fait très ça arrive en 1.1. D'ailleurs, je pense que le volume qu'il y avait. Je pense que tu peux regarder la différence entre le mec, enfin tous les mecs qui ont terminé et qui ont fait 0 muscle-up et le mec qui a fait ne serait-ce que 1 muscle-up. Il y a des milliers de places d'écart entre les deux. J'avais entendu une stat, alors est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais c'est que chez les filles, chaque muscle-up effectué te fait gagner 5000 places au classement. Même si c'est pas 5000, ça s'en rapproche parce que c'est. Voilà. Et le deuxième, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé la semaine. Moi, je suis content parce qu'il y a une barre jour d'affaires. Oui, la partie B, tu sais ce que c'est, non? Oui, c'est le shuttle run et burpees pull-up. Et en partie B, le thruster. Le thruster max. Donc pas forcément pour la partie thruster et la partie 1. Tu voudrais ton avis honnête sur la partie 1. Moi je trouve ça bien. Moi ce shuttle run, moi je trouve que c'est un truc. Enfin faire du cardio sur de la course, il n'y a pas plus basique, c'est cool. Et burpee pull-up, ça valorise un peu ce qu'on prend un peu de force dans le haut du corps et qui font pas que du keeping et butterfly. Donc toi tu vas moins aimer parce que t'as pas la partie technique que tu pourrais avoir sur le butterfly. Non, c'est pas ça qui m'embête un peu dans le load. Pareil, je suis d'accord avec vous, ça m'a fait plaisir de voir un 1.1 où on sélectionne un petit peu plus, où on demande un peu plus aux athlètes. Le WOD, il se gagnait sur les muscle-up, il se perdait avant sur le rameur, sur les toast bar, mais il se gagnait sur les muscle-up. J'ai bien aimé aussi parce que ça a vraiment mis en évidence le manque de technicité de certaines personnes, en tout cas le manque de travail à fond sur les muscle-up, parce que comme il y avait beaucoup de travail de fermeture, on était beaucoup en chaîne fermée, que ce soit sur le rameur ou même les toast to bar. Et quand ils arrivaient sur le ring, où là il faut être capable de relâcher et être en chaîne ouverte avant de refermer pour basculer chez les anneaux, ceux qui avaient tendance à faire ça, même frais, là pour le coup ça s'est vraiment accentué, ils n'ont pas pu faire de rêve certains, mais on a même eu des adhérents à la salle, hein, pour que ça a été le cas, qui ont eu 3 minutes pour faire les muscle-up et qui en ont passé un, voire même pas du tout. Oui, grosse frustration, mais bon, ça montre qu'il y a encore du travail sur ce genre de mouvement. Donc, j'ai beaucoup aimé le premier, forcément parce qu'il y a la gym. Pour le deuxième, j'ai un avis un peu plus partagé. Je trouve qu'en termes de fonctionnalité, en parcours de fonctionnalité dans le milieu d'entraînement, le premier mouvement, burpees pull-up, tu peux difficilement faire plus fonctionner parce que c'est est-ce que tu es par terre, tu es capable de relever, est-ce que tu es capable de basculer par-dessus un objet. Si on était à l'armée, ce serait un truc qu'on ferait en fait plus court. Tu rentres dans un truc et après tu sautes, tu passes par-dessus un muret. Donc là, c'est la version qu'on peut faire. C'est 15 minutes, même. Ouais, c'est 15 minutes en plus, donc c'est important. C'est très très long. C'est long. Ce que j'aime un peu moins, c'est que forcément, ça va encore pousser certaines personnes, enfin, ça va accentuer le défaut de certaines personnes en strict pull-up. Vous connaissez ça, c'est la strict pull-up où quand ça commence à devenir dur sur la dernière portion, on met un petit coup de genou pour faire les derniers centimètres. Et là, pour le coup, c'est l'option la plus. J'ai fait un petit réel ce matin, mais en gros pour moi il y a trois options. Il y a la version stricte que les pros vont faire, donc les gens qui ont vraiment une grosse endurance musculaire. La version où et la version où tu kiffes, tu sens rien, mais pour le coup tu perds un temps monstre. Et après la version un peu hybride où justement là on saute, tu fais comme les strict, tu remontes les genoux. Donc voilà, c'est juste que ça va pousser les gens à avoir une mauvaise technique
sur les pull-ups, à part renforcer les bons patterns et brancher leur moteur, mais en dehors de ça, voilà. Et puis je suis content que ce soit un thruster pour le 2. Toi, tu dois être content parce que thruster, c'est pas du tout un mouvement technique, il faut juste être sûr de ça. Ce que j'aime bien, c'est le côté pré-fatigue que tu as sur les cannes au démarrage, parce que les burpees pull-up, c'est soit tu sautes hyper fort pour essayer d'économiser du dos au maximum, soit tu sautes un tout petit peu et tu étais dans le grand dos. Et je trouve que le combiné shuttle run où tu viens casser les cannes et après tu as les burpees pull-up où justement là, tu ne peux pas trop non plus sauter haut parce que tu n'auras plus de jambes. Derrière, après sur le thruster où tu as besoin d'avoir justement que des jambes. Je trouve que la compo est pas mal. Je trouve que c'est intelligemment fait. Même les burpees, au final, ce qu'a fait Vlender hier, c'est qu'on m'a demandé pourquoi tu prenais une prise hyper large sur les burpees. C'était pour s'économiser les triceps, parce que bon, lui, en l'occurrence, son verrouillage au-dessus de la tête n'est pas terrible. Et je sais pas si vous avez vu, il y a une petite polémique par rapport à la validité de sa répétition entre ça. Bah, en gros, normalement, pour vous, le standard, c'est comme un push press, c'est une extension complète du corps. Mmh. Et donc, à partir du moment où la barre elle est propulsée, on n'a pas le droit de venir fléchir les hanches ou passer en dessous de la barre. Mmh. Lui, il a un peu fait ça. Mais t'as pas le droit de faire un push jerk. Il a fait un espèce de push jerk, un petit dip. Donc, du coup, tout le monde est un peu en train de rager en disant si ça c'est autorisé, ça va donner lieu à de controverses et à des scores un peu de l'espace. Pas évident pour les organisateurs. Les shuttle runs, c'est comme les tests, c'est super casse-couille à compter. Ok, ça marche. Et ben, ça va me permettre d'enchaîner sur la première question que je voulais vous poser. J'ai regardé il y a quelques jours un reportage sur la chaîne YouTube de CrossFit, donc la chaîne de Rich Froning. C'était un reportage sur Mayhem Nation, c'est les athlètes en gros de Mayhem. Et en début de reportage, ils disent une phrase. Je pense que c'est pour parler de la programmation des CrossFit Games, mais je voulais quand même vous demander ce que vous pensez de cette phrase. C'est tout l'art est dans la programmation. Quand on vous dit cette phrase-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est... Là, je le prends par surprise, moi. C'est pareil du tout. Je trouve que si en réaction par rapport à cette phrase, ou ouais, alors, même si on la met un peu dans le contexte, je pense que c'est pour parler du CrossFit Game, mais je pense que c'est aussi le sport du CrossFit valorise vachement la programmation, le programmateur. Oui, moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que par expérience et aussi dans ce que j'ai pu voir, ou même dans ce que j'ai pu faire, je trouve que tu peux avoir la meilleure programmation du monde. Si t'as pas forcément les corrections techniques qui vont avec, ou si t'as pas forcément la manière d'adopter ton entraînement d'une certaine manière ou autre, tu vois, en termes d'intensité ou autre, tu sais, quand t'as une sous de RPE, etc., tu peux avoir la meilleure programmation du monde, tu feras pas forcément grand chose. Alors tu peux faire une programmation vraiment tout pété, mais vraiment pété, un truc genre hyper basique, que ce soit dans les bouquins que t'as de BPJF, etc. Si la personne est hyper bien accompagnée techniquement, si l'intensité est juste au niveau, etc., tu auras beaucoup plus de résultats qu'une programmation qui est, tu sais, comme on pourrait dire, tu sais, faite au petit oignon, etc. Tu n'as pas le suivi derrière. Donc pour moi, en fait, tout n'est pas dans la programmation du tout. Je dirais même plus que c'est plus la partie presque qui vient se rajouter en dernier, tu vois. Je trouve que le reste est plus important, tu vois. Après, on pouvait parler par rapport à vos disciplines aussi, parce que je pense qu'il y a des dynamiques différentes selon la discipline, selon la technicité du sport, etc. Alors, en haltérophilie, sur le coaching et la programmation, on va distinguer trois points différents. Un bon coach, il doit être bon programmateur, donc être en place une bonne planif. Il doit aussi avoir des bonnes qualités de coaching sur place, c'est-à-dire l'œil du coach, la capacité de corriger techniquement un athlète, de le replacer dans ses positions, de gérer ses timings. Et après, il y a le coaching en compétition. Si un coach n'a pas les trois, il ne pourra pas former au mieux un athlète. Parce que si tu as un athlète qui est super bien corrigé sur place, à chaque fois, il donne des bons conseils techniques, on le replace, mais par contre, que sa programmation n'ait pas de progression, de progressive overload, de surcharge progressive ou autre, qu'on ne va pas le pousser dans cet tranchement, qu'on ne va pas infliger un stress suffisant pour lui permettre de progresser, ça ne suffira pas. À l'inverse, si on a une super programmation avec un bon choix de semi-technique ou autre, mais que le coach sur place ne voit pas des erreurs basiques, il n'arrive pas à le replacer sur les mouvements techniquement, à lui faire changer ses mauvaises habitudes, il ne va pas pouvoir progresser à fond techniquement. Et dernier point, si un coach est un bon programmateur et en plus il est bon correcteur technique, mais qu'en compétition, il gère mal la compétition de l'athlète, il lui rajoute un stress supplémentaire parce qu'il est stressé, il compte mal les essais, il n'arrive pas à jouer la tactique, il y aura un souci. Donc la programmation est hyper importante, il va falloir être minimum là-dessus. Mais dire que c'est la base, c'est pas la phrase exacte. C'est tout l'art, c'est normalement the art is in the programming, mais là du coup j'ai traduit tout l'art dans la programmation. The art is in the programming, mais pas seulement, il y a plein d'autres points à côté, on peut rajouter d'autres trucs, hein. Si tu t'entraînes tout seul chez toi,
ce sera beaucoup moins, tu vas moins progresser que si tu as un environnement, l'émulation, etc. À la performance, et du coup, dire que la programmation suffit, non, la programmation elle est indispensable. Si c'est programmation verte, c'est très compliqué de devenir le meilleur possible. Mais par contre, si tu n'as que la programmation, tu ne peux pas devenir le meilleur possible. C'est un peu ce que j'allais dire. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas absolument avoir une super programmation pour progresser, en tout cas jusqu'à un certain point. Par contre, une mauvaise programmation, ça peut définitivement te réduire à néant tes chances de progresser, ne serait-ce qu'un petit peu, parce que, surtout quand on a un sport comme vous, où il y a une intensité qui peut quand même monter dans les tours par rapport à la gym. C'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu quand je fais mes séminaires. Je grossis le trait, mais en gros, pour moi, il y a les mouvements à dominante technique et les mouvements à dominante force. Un mouvement à dominante force, tu veux calibrer au mieux l'entraînement parce que, soit tu risques de blesser l'athlète, donc ça c'est plus grave, mais tu peux aussi complètement taper à côté. Je vais donner un exemple complètement caricatural, mais si tu dis à quelqu'un, tu veux faire une programmation de force à quelqu'un, et les pourcentages ça dépasse jamais les 60%, bon ben là clairement t'as mal calibré ta programmation. Et en opposition avec les mouvements ou les sports à dominante force, on a les mouvements à dominante technique, où là ça va plus être du jeu et je pense que c'est pas aussi important de calibrer l'entraînement. Par exemple, Marin, sur son temps libre, il aime beaucoup jouer de la guitare. Ça fait plusieurs mois qu'il fait ça. Et je pense pas que Marin, quand il arrive pour faire sa session de guitare, que son coach, mais son maître, son prof lui dit: bon, bah là, pendant 20 minutes, tu vas me jouer une partition en émum de Smells Lighting Spirit, et toutes les minutes, tu reprends. C'est du jeu, sur le travail de sensation. Et si on sent d'ailleurs qu'on n'est pas bien techniquement, on va peut-être tendance à raccourcir la séance, ou alors si on est hyper bien et qu'on est vachement concentré, à la rallonger. Donc, moi j'essaye surtout d'enseigner ça aux gens pour qu'ils puissent après entre guillemets se gérer. Donc voilà. Et après, il y a des mouvements qui sont un peu entre les deux, c'est ça le jeu. Par exemple, un free HSPU, même si c'est un mouvement avancé, on est d'accord. Il y a la composante stricte et il y a la composante technique. Donc il faut apprendre à programmer pour la partie force et à jouer entre guillemets pour la partie équilibre. Voilà. Je pense de toute façon, comme tu disais, pour résumer un peu, tu as des sports plus dominants techniques et plus force. Et je pense que sur le curseur, l'importance de la programmation bouge. Je pense que sur les sports type force athlétique, la programmation, on va dire, aura presque, c'est ce qui aura le plus d'importance, puisque c'est vraiment le calibrage de l'intensité nerveuse qui va impacter la barre. Comment certains bougent, même à haut niveau, c'est que c'est pas la qualité de mouvement qui va impacter la performance. C'est vraiment le calibrage nerveux, alors que quand tu prends après l'haltérophilie, tu as le calibrage nerveux, mais aussi tu as tout ce qui est importance technique, le timing, le placement, etc. Donc, tu n'as pas que la notion en fait, de calibrage nerveux, tu as aussi la notion de est-ce que techniquement le mec est bien, etc. Et puis après, tu as des sports où ça va être vraiment presque que de la technique, tu vois. Ou comme tu parlais tout à l'heure de l'exemple des fléchettes, le mec en fait... Il peut faire 8 heures par jour de fléchettes parce qu'il n'aura pas de fatigue. Après, je pense que la programmation, elle a quand même bien son importance en crossfit de par la densité et la quantité de mouvements et de filières qu'il faut travailler, dans le sens où tu peux vite te retrouver en sacro, ou alors te retrouver à ne jamais bosser sur une filière ou un exercice qui peut, pour le coup, il tombe aux open et tu te rends compte que ça fait 6 mois que tu n'en as pas fait. Donc c'est aussi ça qui doit être dur comme contrainte quand tu es coach et programmateur crossfit. Puis ce qui est dur aussi, c'est que tu as un wood là, comme on a vu le premier pour les open, où tu as une grosse endurance musculaire à avoir. Et l'autre là, celui d'après, où il faut que tu tapes un max sur le barreau, tu vois. Justement, l'endurance musculaire, je trouve que la composante programmation, elle est moins importante que dans les disciplines comme où c'est plus technique que la partie haltéro et la partie gym. En crossfit, l'endurance musculaire, c'est un mec qui a bossé son endurance musculaire sur des efforts type Fran, il aura pas forcément trop de différence avec un mec qui a fait des dianes, quoi. Oui. Alors que par contre, un mec qui a fait des snatchs au lieu de faire des cleans, il y aura une grosse différence sur le finish. Et donc ma prochaine question, Marin il y a un tout petit peu répondu, je saute d'une question, pardon. Si on a un budget limité, c'est le cas de pas mal de personnes qui nous écoutent. Illimité ou limité? Non, limité, pardon. un budget limité, et qu'on a pu choisir entre un coaching et une programmation personnalisée. Alors vous pouvez me répondre par rapport à votre discipline, ou me répondre de manière générale, ou répondre par rapport au crossfit. Voilà. Donc on est obligé de choisir, on vous contacte, on vous dit alors on est d'accord que la personne a la possibilité d'être présente dans le même coin, c'est quelqu'un qui est un adhérent à la salle qui Ça dépend du niveau de la personne et de là où elle en est en fait. Ok.
C'est parce que c'est une réponse, tu peux avoir une réponse hyper, hyper large et hyper... C'est pour ça que je fais cette question-là, je sais qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a un gros baromètre sur le choix de vouloir, entre guillemets, admettons, je reprends mes propos, tu as quelqu'un qui a déjà une programmation, qui s'entraîne déjà, qui a un site, par exemple, je sais pas, de force, d'efforts répétés, ou qui a déjà une compète, ou qui a un post-compète, s'il a un budget limité, lui, il sait déjà à peu près s'entraîner, etc. Ou il a peut-être déjà accès à des notions d'entraînement. Ce qui va peut-être être plus payant pour lui, c'est de venir faire une session de coaching personnalisé et de peut-être comprendre certains points techniques qu'il n'avait pas forcément mis en évidence avant, avoir des pistes de progression, savoir comment pouvoir s'améliorer par la suite. Donc en gros, tu lui dis, bah tiens, il faudrait que tu travailles là-dessus, etc. Donc ça, je pense que ce sera beaucoup plus rentable pour lui. Et à l'inverse, quelqu'un qui est vraiment sur de l'apprentissage, qui débute et qui a une technique à peu près correcte, mais qui sait pas trop quoi faire, qui fait un peu du random à chaque fois, qui va à la salle, qui fait son truc un peu à la sensation, lui, ça va être plus, on va dire, bénéfique pour lui de lui donner un cadre, de lui expliquer, bah là, faut que tu t'entraînes de manière régulière, comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir avoir une progression, plutôt que de lui dire, bah tiens, tu vois, là, techniquement, il y a ça à corriger. Alors qu'en vrai, si tu regardes sous le tapis, il y a aussi 10 autres points à corriger. Donc lui, pour le moment, ce sera ça qui sera plus profitable. Sachant que normalement, une bonne programmation personnalisée permet de bosser sur les points techniques. Mmh. Enfin, en gym, c'est pareil, en altéro, t'as le répertoire gestuel qui permet de mettre l'accent sur certains points. Après, quand tu dis pas le programme perso, c'est sans suivi, on est d'accord, juste la programmation. C'est la en gros, là, c'est soit la personne, elle fera son entraînement dans son coin, soit elle prend l'option où vous la programmez pas, mais elle vient se faire coacher régulièrement, ou en tout cas, voilà. Parce que c'est pas, parce que un coaching versus une programmation, c'est pas la même chose que plusieurs coachings versus une programmation. Bah non, le mieux, c'est de venir à chaque fois. Si tu peux venir une fois par semaine, On va dire que s'il y a un choix, le budget, parce que c'est à peu près, on va dire, une séance de coaching et une programmation en termes de fourchette de prix, c'est à peu près la même chose. Ça dépend, hein. Tout le monde a sa tarification. C'est un peu plus cher la programmation, quoi. Voilà, peut-être un peu plus cher, mais voilà. Après, si c'est un ultra débutant qui connaît pas les mouvements d'altéro, je lui recommande un coaching. Qui a jamais fait d'arraché, qui dit je vais apprendre l'arraché, puis lui envoie une programmation et faire n'importe quoi. Mmh. Après, si c'est une dynamique qui est plus de l'apprentissage mais du perfectionnement, c'est peut-être vrai que la programmation perso va l'aider. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une bonne conscience corporelle ou autre en altéro et qui n'ont pas forcément besoin d'ultra personnalisation. T'as des programmations qui sont bien construites, qui bossent sur tous les points du mouvement. Donc si le mec a une prog générique, on va dire, en quelque sorte. C'est la prochaine question. Et que de temps en temps, il a une remise à niveau avec un coach, ça peut très bien fonctionner pour lui. T'en as d'autres qui, effectivement, techniquement, c'est beaucoup plus laborieux. Et si techniquement, la personne a vraiment beaucoup de mal, là, il faut peut-être mieux aller vers une programmation qui est plus perso pour mettre l'accent sur des points de mouvement. Et après, sur le développement de la force, c'est d'accord avec moi que même s'il y a des spécificités en fonction des personnes, 90% des gens, tu les fais basculer sur un 5x5, avec progression linéaire, sont débutants, ou alors de l'ondulatoire, mais qui n'est pas non plus funky. Mmh. Tu as 10 personnes pour la même prog, tu en as 9 qui vont progresser avec celle-là. Ok, bah, ça va me permettre de rebondir sur la question d'après, mais juste donner mon opinion sur ce sujet-là. Dans mon expérience, ce que j'ai pu voir en tout cas dans le milieu dans lequel on évolue, c'est-à-dire le milieu du crossfit un peu altéro et... Toi, tu fais plus de coaching que de programmation? Bah, je fais pas trop la programmation perso, à part une exception près, c'est François Soyer. Mais et encore, je n'accepterais pas de la programmer si je ne la voyais pas en coaching deux fois par mois. Donc, c'est vraiment une exception. Pourquoi je préfère les coachings? Parce que pour moi, ce qui pose le plus gros problème en gymnastique, c'est la gestuelle, 90% du temps chez la majorité des gens. Pourquoi? Parce que la force, bon. Je ne vais pas dire que ce n'est pas compliqué à obtenir, parce qu'il y en a qui ont vraiment des galères là-dessus, mais ça reste beaucoup plus accessible que faire 200 en squat, de savoir faire des tractions strictes, quoi. On peut y arriver de manière presque random, comme a dit Marin, au bout d'un moment, à réussir à le faire. Par contre, avoir la bonne gestuelle, savoir bien bouger, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il y a, comme on en a parlé dans les précédents podcasts, il n'y a pas forcément le contenu qu'il faut sur Internet pour se débrouiller si on est autonome. Il n'y a pas forcément les coachs qui ont les connaissances, malheureusement, encore, parce qu'ils ont, encore une fois, beaucoup de choses à connaître et ils ne peuvent pas savoir tout savoir. Et donc, moi, je préfère faire un coaching perso d'1 heure, 1 heure et demie. Et en fin de séance, donner des directives à la personne, un peu comme ce que tu as dit, Marin. Et je pense vraiment qu'en donnant 2-3 exercices max, et des fois ça peut juste être un exercice, focaliser sur plusieurs mois et dire, bah voilà, pendant 5 mois ou 3 mois tu fais ça, à partir du moment où tu arrives à remplir ce prérequis,
Là, tu peux passer à l'exercice 2, etc. Et donc, moi, je préfère faire des coachings perso. Et puis, je trouve ça plus, beaucoup plus valorisant pour la personne qu'une programmation. Après, si la programmation elle a un bon suivi, c'est-à-dire qu'à chaque séance, le coach fait un retour technique sur plusieurs vidéos, est-ce que ça remplace pas en partie le coaching? Ah oui, oui. Même ça, s'il n'est pas suivi sur la séance. Je trouve que ça dépend quand même du sport. Parce que moi, je sais que je fais des suivis à distance avec des programmations. Les personnes m'envoient de manière hebdomadaire la vidéo de chaque mouvement, en gros le bon mouvement de la séance, par exemple le squat, le terre, les choses comme ça. Les modifs que je vais donner, c'est des petites modifs techniques. Donc c'est assez simple si tu veux à ressentir ou à mettre en place. Tant d'avoir le poids peut-être plus au milieu de pied, des choses comme ça, ou corriger tu vois, un tempo, etc. Et je me vois mal pouvoir faire ça à distance. Par exemple, si je devais coacher quelqu'un sur des mouvements de gym, parce que je trouve que en termes de timing et de vitesse, et le temps sur lequel tu fais ton mouvement, il est beaucoup plus court, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. J'aurais du mal à le dire. Alors tu vois, en fait, je pense que ce serait très compliqué en termes de charge. C'est une compétence qui existe, mais qui doit être très dure à acquérir. Ouais, voilà, tu vois, il faudrait que je fasse des arrêts sur image, sur tout truc, et que je revoie la personne. Alors tu vois là, pile à ce moment-là, il faut que tu vois que là, c'est ce placement-là que tu devrais avoir. Et en plus, la personne s'est même pas dit qu'elle capte ce que tu veux, alors que quand tu es sur place et que tu lui montres et que tu lui fais ressentir par exemple aussi avec tout ce qui est parade, tout ça, je trouve que c'est pas la même chose. Et évidemment que moi aussi je préfère corriger les gens en live quand ils viennent, mais je pense qu'il y a des sports qui sont plus faciles à corriger à distance que d'autres. Après, une problématique aussi, c'est que quelqu'un peut t'envoyer une série de keeping pull-up qu'il vient de faire et en fait la série d'avant n'était pas du tout pareille, tu lui donnes des conseils pour la série qu'il t'a envoyée. Alors que finalement, sur la série d'avant, sur son exécution. Tout à l'heure, je parlais des différentes facettes de coach. Par exemple, j'ai une athlète, Virginie, que je coach, qui a un niveau France en haltérophilie, elle arrache 80 kg. Moi, je suis programmateur pour elle. Je lui fais quelques retours techniques, mais c'est vraiment minime. Elle a un coach avec elle en permanence. Un coach qui, du coup, est un super coach et un très bon regard, qui est le coach technique sur la séance, mais la planif, la programmation, c'est bon. Donc, elle a en gros les deux facettes. Et après, tu vois avec les altéros quand ils sont ici, hein, les altéros compétiteurs qu'on a à Power Camp, ils ont la programmation, mais sur les plateaux, ils sont coachés en permanence. Ouais. C'est ceux qui viennent sur les créneaux qu'on a l'après-midi, surtout que là maintenant, on a un nouveau coach qui va s'occuper avec moi des compétiteurs. C'est toute la séance, pendant une heure et demie, il y a un coach avec. Donc ils ont la planif et ils ont le coaching. Ouais, c'est la meilleure option de toute façon. C'est la meilleure option et du coup ça coûte moins cher que coaching ou planif parce que les gens ils ont leur abonnement à la salle et ils ont accès à tout ça. Oui, ça c'est vrai que c'est l'option, on va dire là, on a le plus pour ton argent quoi. Par rapport au coaching à distance et les corrections à distance, moi j'avais un avis assez tranché avant, c'est-à-dire que pour moi c'était impossible, et d'ailleurs c'est toujours pour ça que je ne fais pas de programmation à distance, c'était impossible pour moi de proposer quelque chose de qualité et d'arriver à corriger les gens. Et il y a un mec qui m'a bluffé dans un sport qui est complètement qui est complètement décalé du vôtre, mais proche du mien, c'est le One Arm Handstand. Il y a un mec qui s'appelle Yuval, qui est le français numéro 1 en One Arm. C'est un mec qui a fait le cirque à Las Vegas, etc. Donc c'est dans le monde des One Arm Handstand et des équilibristes, c'est un ponte. Et ben lui, avec le Covid, il s'est mis à faire des coaching Zoom. Et moi je me suis dit mais attends. Ouais mais c'est du direct. Oui c'est du direct. En fait c'est quasiment comme un coaching. C'est du direct mais quand même je me dis quand même la résolution de caméra etc. Être à distance, réussir à voir. Parce qu'il y a quand même une distance. Ah ouais, mais moi, c'est pas là. En altéro, il y en a pas mal qui ont fait ça aussi. J'ai vu Morgane, par exemple, ici, qui a fait des coachings en Zoom ou autre. T'as quand même du coaching à chaque série. Ça se rapproche vraiment du coaching. Ok. Visuellement. J'ai jamais essayé, donc. Ouais. Mais ça m'a bluffé, moi. Visuellement, tu vas pas voir pareil. Tu peux pas faire une démo, mimer un mouvement. Tu peux pas toucher la personne. Par contre, tu peux donner des conseils à l'oral. Et oui, visuellement, tu vois direct la plupart des trucs. Non, c'est sûr que c'est t'as mieux pas que tous de les réagir à une vidéo qui t'est envoyée, qui a été faite le matin, oui. Et toi, tu réagis l'après-midi. Surtout réagir à une vidéo de 15 secondes sur un entraînement d'une heure et demie. Donc la prochaine question c'est est-ce que vous pensez, mais j'ai déjà une petite idée de votre réponse, vous avez répondu un petit peu, est-ce que vous pensez que ce serait l'idéal pour tout le monde d'avoir une programmation personnalisée ou est-ce que c'est un luxe entre guillemets inutile? Moi, je trouve que c'est pas, en fait c'est pareil encore une fois, c'est contrasté comme réponse, mais pour moi ça peut servir pour certains profils de personnes, des personnes par exemple. J'ai un truc tout bête, il y a des gens, tout à l'heure Louis disait que tu donnes tel type de méthode de force à quelqu'un ou à 10 personnes, sur les 9, sur les 10, il y en a 9 qui vont progresser.
Mais en fait, par moment, tu as des personnes qui vont réagir différemment à tel type d'entraînement, qui vont moins bien réagir, par exemple, sur du volume ou sur des charges lourdes. Donc là, peut-être que pour le coup, ça va être propice d'avoir un truc un peu plus personnalisé. Par contre, je pense que la grande majorité des personnes, quand tu as une programmation générique, comme disait Louis, si la programmation elle est bien faite, etc., ça peut quand même suffire. Je parle juste d'un exemple tout con. Moi, j'ai la prog Big Legs qui est axée vraiment sur les cannes. Dedans, c'est des exercices d'hypertrophie. Et je dis également que c'est à but correctif. Parce que c'est un truc générique. Donc, tu sais, on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui est correctif dans une programmation qui est générique ? C'est que, en fait, la majorité des mouvements que tu as dessus vont t'obliger à te corriger. C'est-à-dire que. Technique en altéro. Exactement. C'est-à-dire que quand tu vas faire du squat avec des tempos super lents ou avec des pauses ou en tension continue, avec tel type de pourcentage, il y a des moments, si à chaque fois tu pars en avant, si à chaque fois tu as les genoux qui rentrent, tu ne pourras pas gérer le volume. Donc tu vas être obligé toi-même de redescendre en charge. Et t'auto-corriger. Et t'auto-corriger. Donc tu peux très bien avoir une bonne programmation générique qui est profitable pour beaucoup de gens. Mais par contre, tu as des profils de personnes qui ne réagiront pas de la même manière, entre guillemets, que la réponse. Je sais que quand Louis me coachait sur des mouvements comme le squat, etc., en termes de programmation, je sais très bien que lui me disait non mais attends, tu peux pas faire le truc qu'en fait que eux font parce que toi tu réagis pas du tout pareil. Moi je sais que les barres avec des séries longues. Et toi l'individualisation elle était particulière parce qu'effectivement t'avais un volume sur la série qui était un peu qui devait être plus bas que la plupart des personnes parce que tu te répétais. T'avais moins de séances sur la semaine, moins grosse fréquence. Mais sinon la progression qu'il y avait sur le programme haute, quand je t'ai dit leur programme. Ça, c'est, je le sors pas de mon chapeau, c'est un truc générique de base qui était en partie adapté pour toi, comme n'importe lequel de mes programmations. C'est pas de zéro que je vais construire le truc, c'est une planif qui existe déjà, où j'ai rien inventé, où je vais faire des modifications en fonction de l'échéance. Et c'est ça la personnalisation finale quand même, parce que on n'invente jamais rien au final en programme. La personnalisation elle se fait sur les objectifs et l'échéance, sur le profil de l'athlète s'il a des blessures, parce que si t'as un athlète qui a une épaule qui est niquée. Ou en ce moment, j'ai David, par exemple, en programmation, qui a un poignet qui est niqué. Évidemment que lui, si tu poses la question, la planification générique, il ne peut pas la faire. Donc lui, il a besoin de personnalisation pour tourner autour de ça. Si tu prends un profil comme Marin, ou Marin, si tu lui mets plus de 2 séances de squat par semaine, en tout cas sur les périodes où il cherche à monter, il se pète, il ne peut pas faire une programmation générique avec du squat everyday ou avec une planif où il y a du 5 jours par semaine. Mais la plupart des gens, la programmation de force qui t'a mieux réussi, c'était une preuve perso. Non, c'est Matco 5 fois Matco. J'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes, de pas avoir des coachs qui font que des planifs perso. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes où la planif générique va suffire si elle est bien construite. Et le fait d'individualiser ou de faire de la personnalisation, ça va pas apporter grand-chose. Et en plus de ça, si la personnalisation elle est faite par quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, ça veut pas dire que ce sera bien. T'as certaines personnes qui vont dire « je préfère prendre une planif perso de ce coach » qui est un coach en fait qui n'est pas forcément bon, qui va faire sa planif perso en faisant du recopiage et en n'ayant aucune notion du tonnage, de l'intensité, du volume ou autre, plutôt que la planif générique d'un coach qui a une planif qui est hyper bien construite pour la plupart des gens, et il aurait plus progressé avec une planif qui n'était pas perso qu'avec cette planif. Si on prend l'exemple des en altéro de tous les systèmes, notamment soviétiques, et après ce qu'on a vu, on a déjà parlé sur plein de podcasts, mais ouzbek, géorgien, desquels je m'inspire à fond, il y a un peu de perso, et pareil, la perso elle se fait surtout pour tourner autour des blessures ou autre, mais en fait, quand tu arrives à la salle, l'important c'est que le lundi tout le monde fait de l'arraché. La plupart des personnes vont faire, si c'est le lundi c'est de l'arraché des plots, t'en as plein qui vont avoir de l'arraché des plots, et t'en as peut-être un qui est très bon des plots et qui est merdique en déficit, qui va faire du déficit, mais il y aura très peu d'adaptation. Il y aura un peu d'adaptation, mais ce sera quand même une grosse planif générique, une grosse base commune, et avec une ou deux petites adaptations, et ça marche mieux que d'avoir. Jackie qui fait de l'épaulé jeté, l'autre qui fait une séance squat tirage, l'autre qui fait de l'arraché et l'autre qui fait muscu. Et en fait, t'as pas l'environnement qui a poussé à la performance. T'as voulu individualiser à fond comme ont fait les Américains, les Français pendant plein de périodes, comme ils font actuellement. Les Français, l'équipe de France, t'as beaucoup d'individualisation. Et finalement, ça marche moins bien que d'autres systèmes. Par contre, il y a un truc que t'as dit dans la perso, et je pense que les gens, ils ont du mal à saisir que c'est aussi ça la personnalisation. C'est que tu parlais de timing, c'est-à-dire que, et qu'il n'y a rien qui est forcément inventé. C'est que tu as des personnes qui ont du mal à comprendre qu'une programmation personnalisée, c'est pas forcément des exercices inventés, etc., pour ton profil, et puis là pour un autre, d'autres exercices inventés avec. Non, ça peut être la même planif adaptée. Ça peut être aussi une question de timing, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive et qui a tel type de défaut, qui en est à tel stade de son évolution dans le sport,
tu vas lui donner quelque chose qui est peut-être générique, puisque comme tu dis, on n'invente rien. Tu veux dire du semi-perso, du coup. Exactement. En fait, ça va être. Bah, en fait, comme on n'invente rien, pour moi, en fait, il n'y a jamais réellement de perso si tu pars de la construction de la programmation. Ce qui est personnalisé, c'est le fait de dire, toi, par rapport à ton niveau, t'as besoin d'une période foncière. T'as besoin de ça, etc. Et en fait, t'as des gens que tu vas suivre sur du perso. Et en fait, t'inventes rien, tu lui dis, bah, juste toi, tes défauts, c'est ça, etc. Pour tel type de défaut, là où tu en es dans ton sport, tu vas faire ça déjà pendant un mois et demi, deux mois. Et en fait, tu peux avoir une autre personne qui va arriver et qui va avoir les mêmes facteurs de, en fait, d'objectifs ou les mêmes soucis de techniques, et tu vas lui donner la même chose. Et une autre personne, tu vas lui donner bah, quelque chose d'autre, mais pareil, ce ne sera pas forcément inventé. La personnalisation, surtout en crossfit, les gens ils pensent souvent que ah mais là, il faut que ce soit vraiment calibré pile pour mes... Non, des fois, c'est aussi une question de timing. Non, mais comme t'as des... En semi-perso, tu vois, une prog, ça va être une prog pendant 4 semaines de travail sur la trajectoire. Mm. Et en fait, vu que t'as une trajectoire de merde, je te donne celle-là pour qu'elle soit calibrée sur ton défaut. Et la prog sera semi-personnalisée en soi parce que c'est une prog générique, mais elle est adaptée à tes défauts. Pareil, si juste t'as une prog pré-compétition, où t'as 4 semaines pour arriver sur un max, en soi, si je te la donne parce que t'as un max dans 4 semaines, c'est de la semi-perso, oui, parce que j'ai adapté sur ton objectif. Après, tu peux calibrer l'ultra-perso avec la sélection de l'exercice, avec la fréquence, avec le volume, avec l'intensité sur chaque truc, mais c'est énormément de travail pour un coach, pour pas forcément un très bon retour derrière, parce que c'est pas une science. Tous ceux qui se disent sport scientist ou autre, la préparation physique, c'est du scientisme, c'est pas de la science. Il y a c'est pas des maths. Il faut que tu fasses ton expérience et que tu vois comment la personne réagit pour après te tirer une conclusion, quoi. Et puis ça se trouve, le truc, tu auras beau la calibrer le mieux possible, bah, il aura mieux réagi à une prog où en fait il avait lundi, mercredi, vendredi 5x5 arraché, 5x5 tirage, 5x5 squat. Et basta. De toute façon, moi, l'état d'esprit dans lequel j'ai créé mes programmations génériques, je me suis dit je veux pouvoir, quand quelqu'un vient me voir avec un problème, lui donner un template, quelque part, c'est ça. C'est une méthodo toute faite. Ok, tu vas apprendre le muscle up aux anneaux en strict. Voilà, 12 semaines de programmation. Et je l'ai créé de manière à pouvoir me dire, si je la donne à quelqu'un, j'ai 90% de chances que ça marche. C'est un problème. Voilà, c'est pas du générique 100%, c'est du semi-perso. Voilà. Parce que sur ta prog, tu parles, t'as un objectif. Et t'as aussi un niveau de départ, tu mets des prérequis. Mmh. Donc c'est pas pour tout le monde la preuve, c'est pour ceux qui veulent cet objectif, voilà. Et qui partent de là. C'est déjà du semi-perso. Il y a un point de départ et un point d'arrivée, et si t'as pas les prérequis du départ, forcément là tu as dépensé ton argent pas dans le vent, parce que ça peut servir plus tard, mais en tout cas tu t'es acheté une programmation qui est pas adaptée à ton niveau, ça c'est sûr. Et voilà, moi c'était un peu cette option-là, je me suis dit il faut vraiment que ce soit clé en main, pas vendre une planification, mais c'est de vendre le résultat, la réponse à la problématique. Mmh. Et pour le coup, par contre, petite différence qu'il y a avec la gymnastique, peut-être par rapport à l'haltéro ou la force, c'est que oui, on n'invente rien en gymnastique, mais d'un côté, on n'a pas la chance que vous avez pu avoir dans vos sports, où en gros, toutes les grandes méthodologies, elles sont publiques. Oui. Tout le monde, la méthode bulgare, elle est accessible à tout le monde. En gymnastique, je suis sûr que vous ne connaissez aucune méthode d'entraînement. Non, mais parce que si, c'est plus caché. Les coachs de gymnastique artistique. Voilà, les coachs de gymnastique artistique, non. Alors, en tout cas, s'il y en a dans le podcast qui sont anciens gymnastes ou qui sont gymnastes et qui ont des choses à me recommander là-dessus, je serais friand. Mais il n'y a pas de grande méthode connue en gymnastique pour entraînement. Il y a certains. Il y a le split, haut du corps, tirage poussé, il y a du split avec les mouvements bras tendus, mouvements avec flexion, mais ça reste beaucoup plus flou. Et donc moi j'ai quand même dû, entre guillemets, t'as pas bien clair 5-3, voilà. Starting, voilà. Strength, j'ai dû, entre guillemets, moi, inventer, un peu faire ma sauce, et c'est pour ça que là, bah, je suis sur la version 3 de mes programmations. C'est parce qu'en fait j'ai beaucoup évolué, parce que j'ai beaucoup testé. On a encore un problème technique. Donc ce que je disais en gros pour conclure un peu sur ce point là, c'est, et je suis plutôt du même avec les garçons, c'est que une bonne programmation générique, à condition qu'elle soit faite avec soin, sans forcément faire des choses farfelues, eh bien ça suffit largement, et je pense pouvoir résoudre, en tout cas avec mes programmations, même si ça peut paraître prétentieux, résoudre à 90% de chance le problème de quelqu'un qui me dit je veux apprendre à faire une keeping pull-up ou un bar muscle-up. À condition, encore une fois, que les choses elles se fassent sur le temps long, parce que c'est aussi ça le problème. C'est que si on vous vend une programmation, par contre, 6 semaines pour apprendre un muscle up, ou 5 semaines pour corriger son snatch, bon, c'est possible, mais ça va pas marcher sur beaucoup de gens, à mon avis. Voilà. Après, c'est même pas que pour le niveau, parce que si je regarde sur mes pages, j'ai des centaines, mais plus d'une centaine de personnes qui ont fait des arrachés à 100, 105, 110 kilos sur des programmations génériques. Donc, si l'objectif de la personne, c'est ça, c'est largement atteignable. Et si tu regardes des haltérophiles de haut niveau qui ont fait des médailles olympiques ou autres,
c'est pareil, mais ils n'étaient pas avec de l'ultra-personnalisation. Donc c'est, un peu un, c'est valable pour tous les niveaux. Et après, je sais qu'il y a, un, il y a aussi un système d'ego, hein, on en a même à la salle ici, qui veulent à tout prix avoir leur propre perso. Oui. Donc en fait, c'est pas forcément recommandé. Moi, je pense que ça les rassure aussi. Il y a pas mal de gens, ça les rassure parce qu'ils bloquent, ils progressent pas et ils se disent bon, ben peut-être c'est la solution tout simplement. Oui, je vais pas réussir avec le truc commun, il faut le truc vraiment la clé pour moi. Parce qu'ils cherchent peut-être un cadre aussi, hein, vu qu'ils arrivent. Oui, mais pas... le cadre, moi, quand j'ai trois athlètes, même s'ils ont un profil différent, si les trois sont en moins de 89, que les trois ne sont pas blessés et que les trois auront une échéance de compétition à peu près au même moment, je préfère que les trois aient la même programmation. De toute façon, moi, je ça, suis... Et en 6 ans, ça m'a prouvé à chaque fois que les moments de progression, c'est quand il y avait cette cohésion. Et toi, t'as déjà eu ce retour, de toute façon, dans des box de CrossFit où les personnes te disaient j'ai arrêté ta programmation parce que je la fais tout seul. Ah oui, non, mais c'est alors, sûr. Et que les personnes, s'ils faisaient la... T'en as pareil, toi, des filles ici qui faisaient big legs en même temps. Oui, qui fait... bah, de toute façon, c'est sûr que quand tu fais quelque chose avec. Bah, le meilleur exemple qui est tout con, c'est des gens qui s'entraînent tout seuls et des gens qui s'entraînent des fois avec des potes. Tu vois bien quand t'entraînes avec quelqu'un. Tu mets plus dans le dur. T'as le côté un petit peu compète, ouais. La bonne programmation, la meilleure programmation, c'est celle que les gens font en fait. C'est comme le médicament, c'est celui que les gens prennent. J'avais lu une stat dans le livre de Jordan Peterson que je n'ai plus avec exactitude, mais en gros c'est un chiffre énorme. C'est-à-dire qu'il y a environ 30% des gens qui vont, une fois qu'ils ont eu leur prescription médicale, qui ne vont pas chercher le médicament. Sur les 70% qui restent, il n'y en a que 40% qui prennent réellement les médicaments. Ouais. Et sur ces 40%, il y en a, admettons, il y en a 30% ou 40% qui ne respectent pas la posologie. Ouais. Et en gros, c'est la raison numéro 1 qui fait que les traitements ne marchent pas. On pense que c'est parce qu'ils sont mal calibrés, parce que la médecine n'a pas encore assez avancé. C'est la raison numéro 1. Et je pense que pour la programmation et la progression des gens, c'est un peu la même chose. C'est... Il y a plus de chances que les gens aient du mal à progresser parce qu'ils ne respectent pas ce qu'on leur dit en cours ou qu'ils ne suivent pas la programmation à la lettre qui a été quand même bien pensée. Dernier exemple là-dessus, les trucs qui sont chiants à faire en fin de séance, les sauts, les abdos, les lombaires, ils sont faits, moi, ici, quand les gens les font ensemble. Sinon, ils sautent. Les sauts, quand je dis, bon, bah, aujourd'hui, je sens bien que les gens ils ont envie de finir leur séance, c'est fini. En fait, on va rajouter du ludique, on va faire un atelier. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de mettre les blocs en plein milieu, dire où les haies et dire, allez, chacun son tour, on va sauter. Ou vous mettez tous en même temps, vous allez faire les séries d'abdos au chrono. Et c'est ce qui pousse à faire. C'est un peu la même problématique qu'on avait avec la mobilité quand on a parlé en podcast, c'est de rendre les choses ludiques pour que ce soit fait, tout simplement. Ok, et ben ça me permet d'arriver, alors c'est pas la dernière question, mais c'est l'avant-dernière. C'est qu'est-ce qui va évoluer dans votre manière de programmer, que ce soit en perso ou en générique, sur ces dernières années? Est-ce qu'il y a des trucs que vous faisiez avant et que vous ne faites plus du tout parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas bien ou que ça ne vous plaît plus de programmer comme ça? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas et que maintenant vous faites et qui ont vraiment fait la différence pour vous? Moi, je sais que j'avais pas mal de gens que je coachais au tout début quand on a ouvert la salle, parce qu'on avait beaucoup plus de temps aussi de libre. Donc quand tu coaches beaucoup de personnes, bah, automatiquement sur du perso je parle, hein. Ça prend beaucoup de temps. Donc je sais que par exemple maintenant je me limite, tu vois, à peu près 5 personnes par mois, tu vois. Donc ça c'est un changement que j'ai eu parce que bah je pense que tu peux pas faire forcément du perso où tu vas venir prendre le temps de regarder les mouvements de chacun, etc. de manière qualitative si tu t'occupes de 60 personnes, sauf si... Bah, si t'as 60 personnes, faut pas leur mentir, faut pas leur dire que c'est du perso. Sauf si en fait tu ne fais rien à côté. Ou alors si t'as une équipe avec toi qui travaille. Ouais. Ou alors du coup c'est pas toi qui les emmène. Ou tu fais rien à côté. T'as des gens qui font vraiment du suivi perso. 60 personnes, tu peux faire du suivi perso? Moi je pense pas. Mais donc je me limite à 5 personnes, tu vois. On a ça dans les évolutions, tu vois, je sais que moi ça je ferai pas plus de 5 personnes par mois. Pour ce souci là, parce que j'estime que au-dessus de 5, bah j'ai pas forcément le temps. Et que après bah les personnes qui vont être le plus lésées, c'est les personnes qui sont coachées. Donc, et dans la pratique, je veux dire, par rapport à peut-être des formats, j'en sais rien, des trucs un peu plus précis, un peu plus techniques, s'il y en a, hein, si tu as des choses qui viennent à l'esprit. Alors, j'utilisais peut-être plus de méthodes variées, tu vois, en essayant de me dire, bah tiens, on va aller faire telle méthode, et je me suis aperçu qu'en fait, ce qui posait le plus problème en général sur la progression, de manière générale sur les personnes que moi je peux suivre qui sont plus sur des mouvements de force ou des personnes qui veulent simplement prendre du poids, tu sais, de la muscu, etc. Ce qui pêche le plus souvent, c'est pas forcément la méthodo, mais c'est plus les problèmes techniques. Par exemple, tu as des gens qui me disent bah, moi je fais du squat à fond, etc. Je prends pas des cannes, la méthodo est pas bonne, etc. Bah, en fait, avant de donner des méthodos plus drastiques pour les cannes, etc., bah, je vais regarder plus sa technique.
quand je vais voir en fait que le mouvement c'est pas du tout ça, bah j'ai, en fait c'est un que tu prennes pas des cannes en fait. Tu sais, c'est la mode de dire maintenant si tes genoux se touchent à la descente d'un squat, c'est normal, si ton anatomie fait ça et que tu utilises c'est pour solliciter tes rotateurs et tes adducteurs un peu plus sur le squat, parce que t'as deux personnes en force qui font ça au niveau. Non mais c'est sans rire, j'en ai eu sur les cours qui font ça. C'est normal anatomiquement d'avoir les genoux qui se touchent sur la descente au squat et d'avoir la barre qui. Bah la preuve en est, tu regardes les mecs qui font du sprint, ils ont les genoux qui tapent à chaque fois. Non mais blague à part, je trouve que je mets plus l'accent sur les corrections techniques. C'est pour ça aussi que dans le suivi que je fais, j'essaie de prendre moins de personnes parce que bah automatiquement ça prend un peu plus de temps. Donc sur l'évolution, ouais, moi c'est assez basique, moins de personnes et plus d'attention peut-être sur le placement que sur la méthode clé qui va faire que quoi. En tout cas sur les profils des personnes, j'ai pas de personnes qui font du haut niveau. Donc ça va pas être tu vois sur du micro-dosage en termes tu vois, de calibrage nerveux ou autre, tu vois. Ok. Bon, toi oui. Moi je pense que j'ai inclus plus de commun dans les méthodos, même les personnes que j'ai à distance. Pour ça aussi qu'il y a le concept de programmation team qui est sorti, c'est pour que les gens puissent faire la même chose. Et que ça les motive de dire je fais le même programme que telle ou telle personne que je connais des réseaux de PowerCamp. Et du commun sur les séances avec les personnes. À un moment, je faisais de la perso à fond, les avec des séances qui étaient complètement différentes. Maintenant, j'écris en premier la structure de ma semaine. La semaine 41 de 2023, c'est ça. Et après, je pars sur quelques variations pour les personnes. Par contre, l'autre truc, c'est que j'ai plus de variations qu'avant, au fur et à mesure des semaines. Okay. Parce que les planifs occidentales de prendre, mais j'en ai parlé dans la vidéo avec l'achat, de prendre une semaine et de la répéter sur 4 semaines avec modifier juste les tempos, les répétitions autres, je le fais plus du tout. Maintenant, si le lundi de la semaine 1, il y a de l'arraché des plots, le lundi de la semaine 2, ça peut être de l'arraché de puissance. Et pour quelle raison ça, tu as changé? Je pense que c'est en grande partie, c'est plusieurs influences. J'ai eu l'influence d'abord par Louis Simmons avec Westside Barbell, où c'est la variation qui permet de faire varier le stress sur l'organisme et donc la progression. Et donc il faut faire de la variation sur l'exercice. Mmh. Et en me rendant compte en fait que Louis Simmons il prenait ça des soviétiques, et que les soviétiques c'est ceux qui ont écrit tout ce qui est méthodo en haltérophilie. C'est la Poutine, c'est Olechko, c'est Verkhoshansky et compagnie. C'est tous les pontes de l'haltéro qui ont étudié le sport quand il y avait le plus de moyens dessus pendant la guerre froide. Et c'est ce qui est appliqué dans toutes les méthodos autres qu'occidentales maintenant et qui fonctionnent très bien. Au début, je ne comprenais pas quand Kluzbeck m'envoyait les programmes, parce que la semaine 1 et la semaine 2, en fait, le poulet jeté du mercredi n'était pas du tout le même. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça reste de l'épaulé jeté. Ça reste de l'épaulé jeté, mais par exemple, le mercredi, il y avait eu de l'épaulé des plots à 70%, et moi, avant qu'il m'envoie la prog, j'ai dit la semaine prochaine, ce sera de l'épaulé des plots à 75%, ou 80%. Mais en fait, pas du tout, ça donnait de l'épaulé puissance déficit. Mmh. Et en semaine 3, et en fait, ça permet aussi. Les variations permettent d'incorporer de la haute intensité, c'est-à-dire de monter souvent sur des RM du jour, sans trop te crever. Parce que vu que tu n'es pas sur le mouvement complet, si tu fais un arraché sans grip, sans contact et sans déplacement de pied, avec une pause en réception, tu peux faire un RM du jour, mais qui ne sera pas taxant, parce qu'au lieu de monter proche de ton max et à 130 en arraché, et ben en fait, au max, tu vas taper 110 ou 115. En fait, c'est la variation du mouvement en fait, qui remplace, entre guillemets, la variation de la charge, un petit peu, l'intensité, parce que comme tu parlais de la méthode Westside, j'avais essayé aussi un petit peu avec toi à un moment, c'est que tu avais le lundi par exemple un max au squat sur très souvent du RM. Sur un 2 RM max au squat. Bah ça part aussi du principe que tu as les trois méthodes de Zatursky, effort max, effort répété, effort dynamique. Quand tu fais les efforts max, il faut monter sur un max. C'est ce qui marche mieux pour devenir fort. Le lundi d'après, quand tu étais encore sur les efforts max, tu avais par exemple un 2 RM. Donc mais sur une variation. N'importe qui pourrait te dire attends, tu peux pas faire un 2RM le lundi, le lundi d'après refaire un 2RM. Nerveusement, tu t'éclates. En fait, le lundi d'après, c'était un 2RM par exemple à la safety bar. Avec 5 secondes de descente. Voilà, donc automatiquement, la variation d'intensité est remplacée par ça. Par contre, je pense que à l'inverse, si le mouvement ne change pas, ce qui va être important du coup, c'est justement la variabilité de l'intensité via la charge ou via le nombre de répétitions. Mais tu peux justement jouer sur les deux. Moi, j'essaie de faire changer maintenant à chaque fois le mouvement. Et, et dernier truc sur la variation, je mettais pas beaucoup d'autorégulation, j'aimais bien utiliser les pourcentages. Enfin, c'est pas que j'aimais bien les utiliser, c'est que je les utilisais parce que les gens fonctionnaient mieux avec les pourcentages. Ils voulaient un cadre à fond. Et maintenant, de plus en plus à la salle, il y a de l'autorégulation.
Et sur les progs en ligne, je commence à en mettre en mettant des fourchettes de pourcentage, en disant aujourd'hui, tu as 5 x 2 à faire à l'arraché, entre 75 et 85%. Et pas 2 x 2 à 75%, une fois 2. Et après, le problème de l'autorégulation, c'est qu'il faut que les gens sachent se gérer. Ça, il faut se connaître. Et que sur 100 personnes qui font la prog en ligne, il y en a peut-être 30 en fait, qui vont bien réussir à gérer l'autorégulation. Les autres, ils vont monter à l'échec, ils vont faire des rêves dégueulasses. Les autres, ils vont pas se pousser. C'est le problème de l'autorégulation, mais l'autorégulation est supérieure au pourcentage. Dans le sens où elle prend en compte la forme en du terme jeu. De qualité, oui. Donc, si jamais vous voulez un programme qui est vraiment la meilleure possible, ce sera de l'autorégulation, ce ne sera pas des pourcentages fixes. Ça par dépend, contre, ça dépend si la jeu. Personne voilà, peut supporter ce RPE ou c'est ça. Ben moi, c'est la même chose. C'est ce que j'ai fait dans mes programmations de gym. C'est en gym, il n'y a pas de pourcentage. C'est l'autorégulation. C'est l'autorégulation sur les règles, donc j'ai pris l'habitude de donner des fourchettes de règles. Dans ma version 3, je le fais pas parce que je mets l'autorégulation plus sur un scale, je mettais pas forcément beaucoup les scales avant. Moi, la première chose sur laquelle j'ai évolué, c'est le temps de programmation. Avant, j'avais peur de que si je mettais 12 semaines ou 20 semaines, parce que là je refais une programmation, c'est la version 3, ma programmation pour apprendre la pull-up, elle fait 20 semaines, et je me suis dit ça va faire peur aux gens, ils vont se dire oh non, 20 semaines, je prends pas. Le problème, c'est que pour moi, ça fait partie on a parlé beaucoup d'aspects business où l'objectif, c'est de réduire le temps entre le moment où la personne achète et le moment où elle atteint son objectif et qu'elle fournisse le moins d'efforts possible. Mais je pense qu'en fait, l'effort à fournir et le temps, je ne peux pas le compresser là-dessus. C'est-à-dire que les gens vont devoir s'entraîner régulièrement sur le moment et vont devoir s'entraîner longtemps. Là où je peux diminuer ces aspects-là, c'est sur le point d'apprendre, on en parlera, c'est sur la manière dont je vais délivrer mon produit. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus. C'est ok, je fais la meilleure programmation possible dans le fond et je ferai en sorte que la forme rende le passage de la pilule plus facile. Quoi. Mais tu vas gagner moins de pognon parce que dans le temps, il y en a un sur la période de 20 semaines, il aura vendu 5 procs de 4 semaines. Peut-être, mais ce que je veux, moi, c'est encore une fois, même si ça peut paraître prétentieux, je veux pouvoir dire aux gens que je leur vends un résultat plus que leur vendre une programmation. Ah, c'est ce qui marche pour nous voilà. Aussi, c'est ce qui fait qu'on on arrive à vendre aussi, c'est que dans la satisfaction. Cette version 3, elle arrivera dans l'année là, mais la version 2 est déjà bien, hein, mais j'ai un peu évolué là-dessus. Ce que je fais aussi, on a parlé de la mobilité, je pense que ça c'était un des gros manques de mes programmations, c'est que ce qui bloque beaucoup les gens en gym comme en haltéro, et même peut-être moins en force, mais en tout cas ça bloque généralement les gens en sport, c'est que on parle toujours du strict, on en a parlé, mais en fait est-ce que déjà tu as la mobilité, par exemple sur un keeping pull-up pour venir chercher en avant avec ton buste, et si tu te prends un mur à chaque fois que tu fais une keeping pull-up, bah, non seulement tu vas pas réussir techniquement, mais tu vas te blesser, et donc j'ai vraiment intégré la mobilité avec le renfo, c'est-à-dire qu'en gros c'est impossible dans mes programmations de ne pas faire un exercice de renfo couplé à un exercice de mobilité. C'est quoi, c'est en superset? C'est en superset, ouais, toujours comme ça, je me suis dit bah les gens ils vont être obligés, ça va rendre le truc un peu plus fun aussi, plus sympa, plus intégrant ouais. Un circuit. Autre chose que sur laquelle j'ai évolué, je mettais zéro travail avec charge externe parce que je me disais je suis gymnaste, je fais de la gym, blablabla. Poids de corps. Donc poids de corps, en mode comme si toucher une charge c'était mauvais, et aujourd'hui je rajoute beaucoup de travail avec la dumbbell. Et en fait, sachant que la dumbbell c'est beaucoup utilisé en gym parce que bah il y a cette histoire d'instabilité aussi, et au final ça permet d'adapter beaucoup mieux l'intensité parce qu'il y a certains mouvements au poids de corps au début on peut pas les faire, alors qu'avec un dumbbell on peut tout à fait faire un press au-dessus de la tête, et donc on est en termes d'adaptabilité c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Et le dernier point où là pour moi c'est pareil, ça fait une énorme diff, c'est je mets pas de charge dans mes procs, par contre je mets le tempo. Et j'insiste là-dessus, j'ai sur le fait que les gens, ils scrutent le tempo de chaque exercice et qu'ils le respectent au maximum parce que ça change tout. Ça change tout, et il y a beaucoup de travail de tempo en gym et beaucoup de travail de statique qui n'est pas fait en phase d'apprentissage et qui fait qu'après ben, on se blesse, mais surtout qu'on bloque en progression. Même dans mon apprentissage personnel, j'en ai beaucoup rajouté. Donc voilà, en gros, c'est le temps long, des choses plus longues, du travail avec dumbbell, du travail en tempo, et voilà, en gros, c'est la mobilité incluse. Donc ça c'était pour les points. Maintenant on va parler peut-être un petit peu plus de l'aspect justement de la forme. Donc là on a dit un peu ce qu'on faisait dans le fond. Pour vous en gros c'est quoi les points essentiels pour faire une bonne programmation générique? Sur la forme? Sur la forme. En gros les erreurs. La manière dont tu vends en fait. Pas forcément la manière dont tu vends, mais la manière dont tu délivres la chose. Pas forcément la manière dont tu vends. Donc le produit, ok. Pas le contenu de la prog, mais la forme, etc. Est-ce que pour vous, parce qu'il y a des freins quand même à l'achat, ou il y a des freins à l'utilisation d'un programme, parce qu'il y a des trucs à faire, à pas faire, et qu'on a peut-être fait nous? Moi, j'essaye de changer le format pour passer sur une application, et après avoir demandé des retours des personnes qui suivent un prog, la plupart ils préfèrent un PDF. Et si tu regardes le mec qui marche le mieux en haltéro, celui qui a vendu le plus de programmes, je pense qu'il doit s'approcher des 100 000 programmes vendus au monde, c'est Greg Everett. C'est un classeur Excel, il n'y a pas de mise en page, tu as juste le guide.
et ça fonctionne bien. Et t'en as d'autres qui essayent de faire des trucs funky, ou t'as des applis comme Train Heroic ou autre, et en fait ça complique peut-être un petit peu pour le côté athlète par rapport à juste un PDF, et du coup, en tout cas en altéro, j'ai l'impression qu'ils apprécient pas trop. Ils préfèrent le PDF tout simple. Moi, je pense qu'aussi ça te permet aussi d'avoir une vision d'ensemble très facile. Sur ton application, si tu vas sur une séance, après tu es obligé de sortir de la séance pour aller voir la deuxième, tu n'as pas forcément la visibilité complète du truc. C'est sûr que quand tu as ton PDF, tu peux avoir tes deux séances facilement. On a essayé sur appli, on a essayé Train Heroic, on a essayé Pépi en se disant que c'était des... Moi j'ai pris des super idées, les gens appréciaient pas forcément. J'ai pris les progs de Dave Durante par curiosité, et l'application est vraiment super bien faite. Donc en gros tu fais dérouler comme ça, ouais. Et à chaque fois tu as ton exercice et une vidéo. Je suis d'accord avec toi. Par contre le problème c'est vraiment ce qu'a dit Marin, c'est que moi j'aime bien quand je fais une programmation me projeter, et j'ai une espèce d'excitation à voir ce que je fais cette semaine-là, mais ce que je fais aussi dans 3-4 semaines, oui, bah, et m'amuser à regarder un peu les exos qu'on va me donner, etc. Et c'est vrai que l'application, c'est contraignant de ce point de vue-là, et puis je trouve aussi que les gens, ils en ont marre de se prendre à une application-là, de s'inscrire, de donner un compte, un mail, etc. Je pense que les gens, enfin, en tout cas moi, maintenant à chaque fois qu'il faut faire un truc, il faut dire inscris-toi, mets ton mail, fais un code, un mot de passe, ça commence à me... Moi je le vois sur les... Mais c'est l'ère du 2.0, on nous l'a vendu comme ça en plus quand on a eu des contacts pour des applications. Ouais, il faut que vous passiez sur appli, c'est 2.0, les gens ils veulent du moderne ou autre. Bah, pas forcément en fait. Et là ils veulent même le PDF sur l'ordi, en fait le premier truc qu'ils vont faire c'est l'imprimer. C'est ouais, parce qu'ils veulent un papier, un carnet... Il y a plein de gens qui impriment les procs qui me prennent, alors que tu peux l'avoir sur ton téléphone. Mais en fait je pense que déjà tu le vois avec Toko ici. Téléphone, c'est interdit à l'entraînement. Donc en gros, et en plus, c'est une source de distraction. C'est-à-dire que si t'as un truc où tu dois être sérieux, etc., le mieux c'est d'avoir ton papier. Oui, ça c'est le programme. Oui, mais ça m'étonne pas. Programme en chargé, c'est traduit. Mais. Je sais pas si t'arrives à le mettre là. J'ai le focus, voilà. Ça c'est le programme. C'est le programme. Il y a pas de pourcentage, c'est de l'autorégulation. Après, c'est le programme pour les athlètes qu'on a à la salle. Donc quand vous voyez du x2, x3, c'est Toko et moi qui allons leur dire en fait plus lourd ou moins lourd. Mais ça fonctionne très bien comme ça en fait. C'est une feuille de papier avec écrit juste le format du jour, ou sur un tableau, ça fonctionne très bien. Là, moi c'est la problématique que j'avais eue quand Amélie avait refait mes designs. Elle m'avait dit mais en fait le design que tu avais fait avant, c'est pas que c'était moche, mais c'est que c'est un fond gris quoi. Donc en fait les gens s'ils veulent imprimer... ta proc, ça va leur coûter 10 balles d'encre à l'imprimante. Donc ça, c'était une première problématique. Moi, les choses sur lesquelles j'ai vachement réfléchi, c'est les freins à l'utilisation. Il y en a un que j'ai vu moi-même dans certaines procs, que des gens qui font d'autres programmations, qui ne sont pas forcément les nôtres, viennent voir à ça, c'est « Est-ce que tu peux me dire c'est quoi cet exercice ?» Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc. Je détesterais, moi, apprendre une programmation et devoir aller chercher sur YouTube ce que c'est l'exercice. Moi c'est vraiment pas. C'est juste que si je le tape sur YouTube et que je le trouve pas parce que le nom qui a été donné n'est pas bon, c'est ce que je veux te dire. Mais le plus souvent, si je vois. Je vais pas prendre un exemple d'altéro parce que je l'ai, mais si je vois Skin the Cat et je vois pas ce que c'est, je tape Skin the Cat sur YouTube et le premier truc c'est l'exercice, ça me va très bien. Le souci c'est que justement c'est pas forcément toujours le cas. C'est qu'il y a des exercices, en l'occurrence. Tu peux avoir 30 minutes exotiques. Ce qui est, soit c'est le nom, par exemple en gym, là moi j'ai la prog de Dave Durante, t'as une bibliothèque d'exercices. Et j'ai d'autres programmations de gym, le même mouvement il a 4 noms différents. Et les 4 noms ils font sens parce qu'en anglais c'est logique. Par exemple, il y a le Holo Up et il y a le Holo Pulse et il y a le. Tu vois ce que je veux dire? En gros, les noms sont proches, mais c'est pas le même nom et t'as pas toujours une vidéo où c'est bien démontré, etc. Donc je trouve que le temps que tu passes à chercher, c'est relou là-dessus. Après, voilà, je pense qu'en altéro, t'as beaucoup plus. Genre, si tu tapes un semi-technique d'altéro, t'as 95% de chance. Puis t'as moins de mouvement. Voilà, t'as moins de mouvement. En gym, ça est un peu plus compliqué, c'est ça le problème pour moi. Après, c'est sûr que je dis ça, mais dans toutes mes progs, chaque lien est cliquable et t'as la démo de l'exercice. Voilà, Et pour moi, après, il y a un autre truc à faire, et c'est un autre défi que j'ai eu, c'est de donner un peu le mode d'emploi de la programmation sans que ce soit pompeux et trop long, parce que les gens lisent pas en fait. Je sais pas si vous savez jusqu'à là. Les gens, tu vas te passer de plusieurs pages à dire bon, voilà, le tempo ça marche comme ça, vous avez tant de séances, la séance 1, la séance 2, c'est normal si c'est la même, blablabla. Et t'as quand même les gens qui t'écrivent des messages pour te dire j'ai pas compris ça et ça, alors que tu l'as fait en partie. La question que j'ai souvent, c'est sur leur info. Et ton ça je le mets, mais en fait sur les premiers exercices que tu as dans les premières semaines, j'écris souvent sur le renfo de rep de réserve, parce que tu pourras, en plus ça repousse sur ce qu'on disait avant, moi les gros exercices de base je donne soit une indication de ressenti ou sinon des pourcentages. Il y a des gens qui me disent oui mais par contre les fentes après t'as pas mis de pourcentage.
Donc je dis, bah oui, en fait, c'est logique, tu as écrit deux reps de réserve. Il dit, pourquoi il n'y a pas de pourcentage? Parce qu'en fait, je vais prendre un athlète A qui va être qui a 200 squats, un athlète B qui a 200 squats, il y en a un qui est fort des quadris, l'autre qui est fort du dos. Si je donne un pourcentage à l'un pour faire les fentes, ça va lui réussir, l'autre pas. Et puis surtout que donc, tu vas pas t'amuser à tester les max de tous les mouvements possibles et imaginables. Surtout que ça n'existe pas. Là, ton max en fente, si tu veux, ça va. Tu peux pas le lier au squat. Tu peux pas le lier au squat. T'as trop de variabilité si la personne est forte en dos, en quad ou pas. Et en fait, pour revenir sur ce que tu disais, moi, il y a écrit sur les premières séances, des premières semaines, deux reps de réserve. Mais je l'écris pas après sur tout le reste, parce qu'en fait, c'est peut-être con, mais moi, ça me semble logique du coup que tout le reste c'est cette idée-là. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais du coup, en fait, là, les autres, c'est comment? C'est la même chose. C'est comme, tu vois, j'écris, tu fais 20 fentes, 10 plus 10, donc 10 de chaque côté. Et après, je ne remets pas je pense que notre job, c'est justement de faire en sorte que, malgré que nous, on peut dire oui, d'un point de vue logique, on a fait notre travail. Moi, chaque fois que quelqu'un me pose la question, je me dis, c'est de ma faute, c'est pas assez bien expliqué, c'est pas assez visible. Le problème, c'est pas comme tu dis que c'est trop bon. Voilà, non, mais c'est qu'à la fin, tu as ton exercice comme ça. Et t'as un paragraphe comme ça, j'ai pris une proc de Marcus Fully parce que j'achète plein de procs pour regarder un peu ce que les gens font. Marcus Fully, il te dit en paragraphe au début que les exercices sont cliquables, mais quand t'as les séances qui démarrent, t'as un petit logo YouTube en mode si tu cliques sur l'exo, ça se met la vidéo. Et en fait, il faut prendre les gens par la main au maximum. J'en ai eu plein des personnes qui me disent il y a marqué sur la proc qu'il y a les vidéos, mais elles y sont pas. Faut cliquer sur le truc souligné. Il y a le moi ça j'ai les deux, j'ai mon lexique à la fin parce que j'ai refait toutes mes progs. Il y a le lexique à la fin avec les gros exercices de base. Par contre quand il y a un exercice un peu particulier par rapport à une programmation ou à un moment de la prog qui est pas forcément dans le lexique de base parce que c'est un truc avec un tempo quoi, lui il est en rouge et pareil tu vois, des fois il y en a qui me disent ouais mais pourquoi lui il est en rouge, elle loue la vidéo, mais pareil pour nous, c'est que si les gens nous posent la question, c'est que c'est pas assez simple d'utilisation. C'est ça en fait notre but, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Oui, pas engueuler les gens, c'est voilà. Mais c'est des problématiques que. On les engueule pas, c'est arrivé qu'il y en a qui soient super cons quand même. Mais... mais bon. Après, c'est ce que tu disais, ils lisent pas le truc au début, c'est pareil, je vais avoir une page avec quelques infos au début où il y a marqué temps de récup pour les gros mouvements de force entre 3 et 4 minutes, temps de récup. Et tu reçois le message, il n'y a pas marqué les temps de récup sur les exos. Non, moi j'ai vraiment mis on a l'accent sur le fait que là, s'il vous plaît, lisez cette partie, ça va vous prendre 5 minutes, je vous promets, c'est 5 minutes, et après c'est bon, vous êtes peinard. Moi, un truc que j'ai fait aussi dans mes programmations que je ne ferai plus dans la version 3, c'est mettre une partie théorique. En fait, j'ai pensé, on en reparle un peu quand on est coach, j'ai pensé coach. Coach, on me suis dit, oh oui, les gens ils vont vouloir comprendre comment ça marche, le muscle, etc. Non, les gens ce qu'ils veulent c'est s'entraîner, ils s'en foutent de comprendre les. Oui, alors d'abord il y a le keeping chest to bar, et ensuite c'est le muscle up, et puis après on passe autour de. Bah, bref, toute la. À la limite, tu feras beaucoup pour les coachs. Non, pour ceux qui voilà, en fait c'est juste, je me suis trompé de cible. Les gens qui sont intéressés par ça, c'est les coachs qui ont envie d'apprendre toute la théorie, et donc du coup ça vaut le coup de faire une formation par contre. Et tu sais, quand je me suis rendu compte de ça, pour te dire à quel point c'est moi-même, je me suis pris une programmation pour moi, et il y avait de la théorie. Le mec avait fait un truc de 80 pages, j'ai pas lu une page. J'ai regardé la prog et je me suis dit, putain, si moi qui suis quand même branché sur ces trucs-là, je lis pas, c'est sûr que les gens. C'est la même chose avec les bouquins. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'achètes un livre, je sais pas si selon les bouquins que t'achètes, mais en général, t'as 4-5 premières pages au début d'intro où le mec t'explique comment il a rédigé le livre, dans quelles conditions il apprend de l'histoire, etc. Ça, gros, tu demandes à 90% des gens, les gens ils lisent pas. En fait, ils regardent le truc, hop. Premier chapitre, je commence le truc, tu vois. Ouais. Ils s'en tapent du truc. Donc, les gens, en fait, comme tu disais tout à l'heure, ils veulent le résultat tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent la prog. Et c'est pour ils ça. Veulent, en fait, le premier truc qu'ils veulent voir, c'est quel exercice je vais faire sur le lundi. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment, on peut pas compresser le temps entre le moment, enfin le développement de la force. En fait, nous malheureusement, on n'a pas les armes pour avec une programmation pour compresser ce temps-là. Donc, on est obligé de laisser une programmation qui dure plusieurs semaines si vous voulez faire quelque chose de sérieux. Les gens vont être obligés de fournir l'effort qui est de s'entraîner. Par contre, les efforts qu'ils veulent pas fournir, on en a parlé, c'est ils veulent pas couper forcément les WOD s'ils font une programmation à côté ou l'haltérophilie. Ils veulent que ce soit facile d'utilisation et ils veulent pas avoir à poser 15 milliards de questions. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la diff sur une bonne programmation, plus que le fond presque à la limite. Parce qu'encore une fois, si la programmation elle est super bien dans le fond, mais que c'est hyper casse-couille à lire, qui on doit se taper 80 pages de théorie avant de démarrer et qu'il n'y a pas les exos, les noms des exos, etc., bon, en fait, les gens ne la font pas. Sinon, tu fais comme Toko fait, ça marche bien aussi. Feuille de papier, stylo. Non, les personnes qui viennent le voir et qui. Où Toko il a dit je peux te coacher 100%, juste une chose, t'arrêtes CrossFit. D'accord, Toko. Pour l'instant, ils ont tous dit d'accord.
Pas définitivement, mais sur la période où tu veux. Oui, alors après, je pense que aussi là, c'est un cadre particulier parce qu'il est sur place. C'est compliqué de pousser les gens à faire ça. De toute façon, on l'a. Oui, les gens sont un peu impressionnés. C'est pas forcément le but aussi non plus, nous, quand on fait de la programmation générique. C'est que... Moi, si. Non, mais voilà, toi, c'est ton parti pris, c'est la manière dont tu t'es positionné. Mais je pense, si on devait définir un petit peu comment ça marche le marché du crossfit, si tu dis c'est une programmation de gym où t'arrêtes tout, et ben les gens vont te dire, ben, tu sais quoi, j'arrête pas tout, je la fais pas. Mmh. Ouais, donc voilà, alors après toi je pense que t'as la particularité aussi, bah, déjà c'est que les gens ils aiment beaucoup l'haltéro, même en crossfit on peut pas mentir, les gens ça les grosses barres ça les branche bien, donc ils sont prêts à sacrifier le crossfit pour, ils sont peut-être plus enclins à le faire. Sur des périodes. Sur des périodes, mais tu vois, je pense qu'ils sont beaucoup plus enclins à le faire que pour la gym, et c'est tout, c'est comme ça. Et la deuxième chose c'est que l'haltéro est un sport en soi, donc en fait les gens ils peuvent carrément se dire, c'est quoi, pourquoi je m'appuierai pas sur l'haltéro. Alors que la gym crossfit, voilà, ça n'existe pas. Alors que la gym crossfit ça n'existe pas. Ou alors il va falloir qu'ils se mettent à faire du cheval d'arçon et, voilà, donc, et de la barre fixe. Ouais, d'ailleurs, Zach Tellender, je suis complètement une aparté, mais Zach Tellender a fait le World des Open et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit ce n'est pas pour vexer les crossfitters, puisque lui-même est un ancien coach de crossfit, donc voilà, il a fait le 23.1. Il a dit mais c'est un World où il n'y a pas de high skills en fait. Et là, je sais que les gens vont me regarder avec des grands yeux en mode comment ça, il n'y a pas de high skills, il y a des muscle-up. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on peut quand même compenser. On peut compenser avec beaucoup de force. Et c'est vrai que moi ça manque encore. La bascule aux anneaux en gymnastique, c'est quand t'as 6 ans que t'apprends ça en gymnastique. Ben, c'est des mouvements, c'est même pas dans le code de points. Oui, c'est même pas dans le code de points. Pour vous dire, si on fait ça en compétition, ça ne rapporte même pas un point. Les mouvements en gym, ils sont notés de A à F, A étant les plus faciles et F étant les plus difficiles. Le front lever, back lever, qui sont en street workout considérés comme des figures, c'est le niveau zéro des points aussi. Je sais pas si c'est le niveau des points zéro, mais pour donner c'est un. F. Pour donner. Alors non, en gros, c'est A, c'est le plus facile. Non, F, c'est A figure. Alors, c'est A. Voilà. C'est A. Mais pour donner un exemple concret qui va parler aux gens, la croix de fer, à votre avis, c'est quoi? C'est C, non? C'est B. B, ah ouais. Oui, mais du coup, t'as des croix de fer inversées, t'as des bascules, t'as des. Ça, gros anneaux. Ouais, ça, c'est B. C'est B. Alors, c'est comme. Parce que j'ai écouté ça dans un podcast. Après, ça dépend si tu la montes. De gymnaste, c'est le B, peut-être le plus haut des B, mais ça reste un B. Mais du coup, le ring muscle up. C'est un B plus. C'est un B plus. Du coup, le ring muscle up, c'est pas A. Voilà. Le ring muscle up, c'est pour te mettre en position pour faire une vraie figure. C'est pas pour dénigrer, mais c'est ce qu'il voulait dire par là, Zach Tellender, c'est que si on a un bon niveau de force, et ben les ring muscle up et beaucoup de mouvements de gym, on peut passer au travers. Ça veut pas dire que sur le temps long, ça va être bon. Ça veut pas dire qu'on va pas se blesser. Par contre, si on a une échéance ou un moment où on veut performer, la force, elle va permettre de masquer beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas encore de high skills en gym, c'est pour ça qu'on a fait l'aparté, de mouvements où c'est de la précision pure et dure. Par exemple, faire un max en handstand hold sur des parallettes, ça c'est de la précision. Et pour le faire, les gens ils vont te voir en même temps, c'est la force qu'ils ont. Parce qu'en fait, Est-ce qu'il y a du high skill en haltéro? Comment? Est-ce qu'il y a du high skill en haltéro? Parce qu'à l'arraché, c'est pas dur à faire ça. Je pense sincèrement qu'un arraché à passer à 100 kg, 110, 120, c'est plus technique qu'un ring muscle up. Du coup, tout simplement c'est la charge, c'est pas le mouvement, c'est la charge. C'est réaliser le mouvement à charge lourde qui rend. Oui, parce que l'intensité demandée en termes de force pour les mouvements de gym, elle est vite atteinte en fait. Si on a un minimum de passé sportif et qu'on se conserve vraiment pendant 4-5 ans. Sur l'haltéro, tu peux être bourrin jusqu'à un certain niveau de charge. Je pense qu'un mec qui est très très fort peut quand même réussir à faire 100 à l'arracher dégueulasse. Par contre, passer à un certain niveau de charge, même s'il est très très fort, il va falloir quand même. Je montrer des mecs arrachant 50 et qui sont pas techniques. Hein. Ouais, mais ils savent faire de l'arraché. Non, de toute façon, le mec arrache moins de 50% de son deadlift. Si t'arraches moins de 50% de ton deadlift, t'es pas technique. De toute façon, la gym et l'altéro, on est sur deux sports où il y a à la fois une partie technique et une partie force, et où quelqu'un qui est mauvais en technique peut compenser avec la force, et quelqu'un qui est pas bon en force peut compenser avec la technique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de trucs tranchés. Pour avoir une réponse comme ça en mode oui c'est super technique ou c'est que de la force. Du coup ma dernière question, est-ce qu'il y a des mouvements high skill en crossfit, en gym crossfit ou pas encore? Bah peut-être, moi je dirais le free HSPU. Pour moi c'est celui qui me demanderait en tout cas le plus de technique. Moi, j'arrive à faire un free HSPU, je suis pas high skill en gym. Oui mais si t'as quand même j'arrive à en faire 10. À partir du moment où tu rajoutes la précision et l'équilibre, pour moi tu rentres là-dedans. Alors après, il y a skill et skill, c'est toujours pareil, c'est quoi ton point de référence? Ouais. Si tu prends le niveau international, c'est sûr, mais pour moi, quand tu vas commencer à avoir tout simplement du vrai handstand hold,
sur parallèle, par exemple, comme il y a eu Wodapalooza, tu vas avoir des pressed when stand ou bah, typiquement des keeping HSP où le fait d'avoir juste de la force ne peut pas suffire. Tu es obligé d'avoir de la technique. Mmh. Et si tu n'as pas de force, la technique ne peut pas te suffire non plus. Vraiment, tu as besoin d'avoir un bon équilibre entre les deux. Là, pour moi, on sera sur du high skis. Un ring muscle up, on peut faire un mouvement de manière très technique, mais tu peux aussi le faire comme un énorme bourrin. Il y a beaucoup de skills quand même sur le triple touch. Ouais, ça commence, mais bon, après, parce que là, même si t'es très fort, même si t'es très fort, je suis pas fan, très technique. Vraiment pas fan des butters. Mais après, je donne pas. Dans des complexes. Enfin, je trouve ça super fun, super marrant. Je trouve ça intéressant parce qu'on a un mouvement circulaire mélangé avec des mouvements de fermeture, etc. Mais qu'est-ce que c'est mauvais au long terme pour les épaules et le. Je pense qu'il y en a un qui fait trop régulièrement, bien sûr. Il y en a un, je pense, qui demande un gros skills. C'est les butterfly ring muscle. Parce que là ça s'appelle fait... ça s'appelle back raises en. Parce que ça, si t'as pas la technique. C'est un keeping inversé en fait. C'est juste qu'en fait. Non, mais en fait, en gros, sur un muscle up, tu vas monter avec un holo, un press, et en fait, back raises, tu vas monter de l'arche. C'est juste que tu en fait, côté. En fait, c'est comme des butterfly pull-up, sauf qu'en mais fait, c'est du même niveau que le premier. C'est juste qu'en fait, ils t'apprennent les deux en gym, ils t'apprennent tous les deux tout de suite. Donc, tu te poses pas la question, sauf qu'en crossfit, on te montre que la première partie. Donc, forcément, l'autre. Tu viens aller sur là. Voilà. C'est ça, t'en vois pas mal sur les compètes de crossfit là, comment ça s'appelle? Le grit? Ouais, sur le grit. Ouais, ça, à chaque fois les gens m'envoient ça et comme si j'allais m'époustoufler. En fait, je me dis juste. Les athlètes sont très forts, mais les mouvements, c'est vraiment. Moi, je me dis juste les épaules. C'est le seul truc que je vois. Bah, après, c'est toujours pareil, si les mecs ils sont ultra mobiles et qui sont forts, franchement, ils vont pas se péter. Non, mais c'est juste que moi, ça me choque dans le sens où. Oui, après les épaules, c'est pareil, hein. Les arracher à 150 kg pendant 10 ans, tes épaules, tes hanches, il y a un truc qui va. Dès que le sport n'est plus du sport de niveau très basique, c'est. Je veux dire, c'est que santé, tu vois, t'as des gens, ils arrivent pas, tu vois, ils arrivent pas à basculer les coudes derrière comme ça, et après tu viens faire des butterfly, t'es bloqué là, bah, tu vas prendre un mur à chaque fois, tu vas défixer l'épaule, bref. Je connais ces personnes. Philippe Préchet, tu connais, ouais, j'en connais un de moi, en face de moi, je crois. Ok. Et ben on est bon, moi j'ai vu tout ce que je voulais voir, je sais pas si vous aviez un dernier point à faire. Non. Juste si vous voulez retrouver des progs, il y a tout sur. voilà, en fait, on a fait 1h30 de pub. Voilà. Non, mais justement, je trouve qu'on a pas mal critiqué la programmation. On a dit que c'était pas l'absolu la programmation. Bah, c'est pas le Graal, quoi. C'est pas le truc qui débloque tout, mais c'est sûr que. Sauf la mienne. C'est des moyens. C'est sûr que les gens qui sont à distance et qui veulent suivre un peu notre méthodologie, c'est la meilleure solution viable. Mmh. Ça, c'est sûr. Et puis après, moi, je parle pour la gym. Les gens n'ont pas forcément beaucoup de choix, malheureusement, parce que moi ça me dérangerait pas qu'il y ait plein de programmateurs gym qui apparaissent, parce que s'il y a de la concurrence, ça veut dire que le niveau des programmations va s'élever et ce sera mieux pour les gens. Donc ça sera bénéfique pour tout le monde. En attendant, sur powercamp.fr et les programmes de gym. Donnez-nous les idées en commentaire pour les prochains sujets de podcast. J'espère que ça aura aidé ceux qui veulent faire de la programmation ou ceux qui veulent en suivre une. Voilà. Et on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour je sais pas quelle. De nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Allez, ciao. Générique de Pokémon.